Cela pourrait être le choc du 27 décembre prochain, date du scrutin présidentiel en Centrafrique. Sur la ligne de départ, les quatre derniers chefs d'État de ce pays, en commençant par François Bozizé, l'ancien président de 2003 à 2013, qui bénéficie selon certaines sources d'un important crédit de la part des généraux, mais aussi d'une frange importante de combattants de l'ex-Séléka, lui qui avait été chassé du pouvoir par les rebelles de la Séléka dirigée par Michel Djotodia, qui avait ensuite occupé le fauteuil présidentiel de 2013 à 2014, avant d'être à son tour poussé à la démission par la communauté internationale. Depuis lors, il s'était installé au Bénin. Son retour au pays la semaine dernière n'est pas anodin. Il montre bien un intérêt particulier pour l'échéance présidentielle. Ensuite, il y a Catherine Samba-Panza, femme forte, de caractère, engagée et suffisamment déterminée à œuvrer pour le bien des Centrafricains. Elle dit avoir répondu simplement à l'appel du peuple. Après un intérim bien mené, son passage à la présidence a incontestablement augmenté son crédit dans son pays et sur le plan international. Pour finir, l'autre prétendant au fauteuil présidentiel, Faustin Archange Touadéra, élu au deuxième tour de la présidentielle de 2015, avec plus de 62% des suffrages, l'actuel chef de l'État est candidat à sa propre succession. Lui qui milite aussi pour une paix définitive dans son pays. Mais là encore, la présence de nombreux groupes rebelles divise l'opinion et inquiète l'épiscopat. Parviendront-ils à mettre en avant l'intérêt du pays et du peuple au détriment de leurs désiderata politiques ? Rendez-vous le 27 décembre.